Bonjour à toutes et à tous, c'est Arkin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la première partie du cours sur la loi binomiale. Aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc tout commence avec une épreuve aléatoire avec deux issues. Donc nous avons une issue notée S qui est le succès et sa probabilité est notée P. Et l'autre issue est notée S bar qui est l'échec. Donc sa probabilité est notée Q qui est égale à 1 moins P. Donc nous avons affaire à une épreuve de Bernoulli. Donc lorsqu'on répète n fois cette même expérience, bien sûr de manière identique et indépendante, nous disons que nous avons affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres n et P. Et après on note X, la variable aléatoire comptant le nombre de succès. Et on dit que X suit la loi binomiale B de paramètres NP. Et bien sûr, il faut savoir que la loi binomiale est une loi dite discrète. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la seconde partie.